all'altezza del limite dell'area brasiliana. Rimessa in gioco di Rivera per Mazzola. Mazzola è fra tre giocatori, ha alle sue spalle Rivera, a cui cede ancora la palla, poi scatta in avanti in attesa del passaggio di ritorno. Passaggio invece per Riva, il portiere Leao si butta a rete. Il portiere Leao, che si era buttato tra le gambe di Riva per arrestarlo. C'est réellement un délire car nous assistons à un match exceptionnel cet après-midi pour cette nouvelle confrontation entre les deux ténors de notre football que sont le Racing Club de Paris et le Stade de Reims. La balle au centre du terrain pour l'instant dans les pieds de Leblon, le demi-aile du Stade de Reims qui fait une longue passe en avant direction de Vincent, mais très bonne interception de Sénac, le grand Sénac qui aujourd'hui fait un grand match réellement. Sénac qui relance l'action, Grillet centre de Sizovski, mais bonne intervention de la défense centrale de Reims, très bien regroupée autour de Jonquet. La balle se développe là-bas sur l'aile droite. Attention, cela peut être dangereux car Coppa s'est déporté à l'aile droite, reçoit une bonne balle de Piantoni. Coppa qui a complètement effacé sur la droite l'arrière défense du Racing. Coppa qui arrive à position de centre, il va pouvoir centrer. Coppa centre, Fontaine est à la tête. But ! Extraordinaire but de Fontaine, une volée qui a fait se dresser le stade. Vraiment un but extraordinaire que l'on devrait mettre dans toutes les cinémathèques car c'est un but comme on en voit rarement sur un stade de football.